Nous sommes là aujourd'hui pour parler du prix Nadar en général et de l'édition 2012 en particulier qui a été attribuée au livre de Marc Riboud, Vers l'Orient, qui a été édité par Xavier Barral. J'aimerais commencer donc par me tourner vers Jean-Claude Gautran pour revenir aux origines du prix. La première question qui me vient par rapport au prix Nadar, c'est ce prix finalement, c'est quand, c'est par qui, pourquoi? D'où vient ce prix, par qui il a été créé et quelle était son ambition? Ah ben, ce prix a été créé par un personnage qui est un peu oublié et dont il faudrait bien reparler vu l'importance qu'il a apporté au monde de la photo, c'est Albert Plessis. Albert Plessis, c'est le père du Nadar, du Niépce et des gens d'image. C'était un personnage absolument extraordinaire dans la photographie, surtout à une époque où la photographie ne connaissait pas l'audience, ni l'aura, ni la répercussion qu'elle a aujourd'hui. Je parle dans les années 50, et c'est lui qui a été vraiment le catalyseur, en quelque sorte, dans ces années-là, de la photographie. Il a écrit dans le numéro du 22 janvier 1953 de Point de vue Image du Monde, « Nous ne ferons pas de littérature sur ce fait, mais nous n'en réclamons qu'avec plus de force la création d'organismes et de manifestations valables, comme un vrai salon de la photo et des archives mondiales, et... pour rendre à Nadar un véritable hommage, Point de vue Image du Monde va fonder le prix Nadar. Donc en janvier 53, il a l'idée du prix Nadar. Et l'ambition du prix, alors Jean-Claude, c'était quoi? L'ambition du prix, c'était de donner essentiellement la parole à un couple, qui était le couple, c'était photographe-éditeur. Ouais. Mais c'était également un tout entre les photos, leur impression, leur mise en page, la qualité du livre, c'est-à-dire d'objets. Mmh. Ils voulaient primer... donner la primauté à l'objet livre photographique. D'accord. Alors ça nous amène au prix Nadar 2012. Frédéric, c'est vous qui l'avez organisé. Parlez-nous, Frédéric, de Vers l'Orient, le livre de Marc Riboud. Qu'est-ce qui a emporté la décision? Qu'est-ce qui a fait que finalement c'est ce livre qui est très très beau? Le fond et la forme. Hein, ouais. Le fond et la forme. On a un travail photographique qui n'est pas forcément le travail photographique le plus connu de Marc Riboud, qui est en même temps un travail fondateur. On a un objet qui est l'objet livre, qui est absolument pas gratuit, c'est-à-dire qu'il y a 5 chapitres dans un coffret, mais on n'est pas là juste pour la beauté d'avoir fait un livre avec 5 cahiers. Il y a une vraie réalité dans la démarche. On voyage effectivement et on voyage par pays, par série de pays. Quand on le regarde, tout paraît absolument juste. Il n'y a rien d'ostentatoire. La mise en page est remarquable, l'impression est magnifique, le travail photographique est formidable. Et voilà, et c'est un objet qui fonctionne et qui en plus, sur la simple aspect de fabrication, de façonnage, est très très beau. Et tout ça, c'est exactement, on est dans la lignée du souhait des fondateurs du Nadar. Quelque chose qui soit autant, qui soit vraiment quelque chose de parfait, tant par sa forme que par son fond. L'important, c'est la qualité du livre, et nous, on espère que ces livres-là resteront dans l'histoire. Et quand on regarde les livres qui ont été primés pour le Nadar, on se rend compte que c'est quand même une réalité. Ouais. Et puis, Marc Riboud n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Et donc, Catherine, son épouse, qui a beaucoup participé à l'édition de ce livre, Catherine. Pourriez-vous, Catherine, déjà dans un premier temps, me dire dans quel contexte Marc Riboud est parti vers l'Orient en 1955? Alors, il avait 30 ans, enfin 32 ans. Il commençait à peine à être photographe. Il était photographe. Il a pris sa photo de la Tour Eiffel en 53, et à ce moment-là, il a été très encouragé par Robert Capa. Je pense que Marc se sentait très débutant, n'était pas tellement, comme il était toujours assez timide, il n'était pas très à l'aise dans le milieu des photographes, des reporters, et je pense qu'il avait vraiment besoin de silence et de partir très loin. Et ce qui nous a vraiment poussé à faire ce livre, c'est que ce voyage a duré quand même presque 3 ans, et je pense que c'est vraiment, c'est un peu ce que Nicolas Bouvier dit, on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui vous fait. Ce premier voyage en Orient est quand même très important dans son œuvre.
je pense qu'il y avait une espèce de... Il avait une jeunesse et puis une grâce, enfin, qui ne l'a pas quitté, mais qui était très évidente à ce moment-là. D'accord. Xavier, quel est l'enjeu d'un tel livre, d'un magnifique coffret comme ça de Marc Riboud pour une maison d'édition comme la vôtre ? Je suis satisfait s'il a du succès. Et je suis content de partager un peu plus d'un an de travail. Le tout est d'arriver à trouver, à mettre dans un livre les émotions, les sentiments, les je sais pas quoi encore que vous avez eu en découvrant ces images. Donc c'est arriver à restituer ça. Donc tout le temps, et c'est juste long. Parce que vous cherchez à restituer ce sentiment. Marc a été dans ses voyages, et je crois que c'est ce que racontent ces 5 petits ouvrages, il a été vraiment à la rencontre des autres. Mais non seulement on le perçoit très très bien dans le livre, il est à la rencontre des gens, les gens viennent vers lui, va vers eux. Je crois que c'est une période aussi des années 50, probablement il était possible d'aller vers les autres avec tant de générosité. Je crois que ces photos, elles traduisent cette forme, cette générosité. Il parle de ça, je crois. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Marc au travers ses livres et ses contacts. Qu'est-ce qu'un prix Nadar représente pour l'éditeur que vous êtes ? Non, mais c'est très agréable, un prix. C'est cette alchimie avec le photographe. Donc je suis en fait très content pour Marc. Je suis content pour moi. Moi, j'espère que j'en aurai plein d'autres à chaque fois. Quand les gens d'image décident de mettre la lumière sur un livre et se donnent l'effort, enfin, tous les efforts nécessaires pour communiquer leur passion, c'est une chance incroyable. D'accord. Alors justement, pour les photographes, on va voir avec Philippe Bordas, on va essayer de comprendre ce que ce prix apporte à un photographe. Philippe, pendant 15 ans, vous avez sillonné l'Afrique en vous intéressant aussi bien à l'univers des boxeurs que celui des lutteurs. De là, vous avez publié une œuvre qui s'appelle « L'Afrique à point nu, au seuil ». Et c'est pour ce livre-là, en 2004, que vous avez reçu le prix Nadar. Est-ce que ce prix Nadar vous a aidé ? Le prix Nadar, pour moi, ça a été surtout ce plaisir de faire un livre. C'était pas lié à moi comme photographe, c'était lié à la réussite d'un objet, en fait. Et moi, c'est un travail de 20 ans qui s'appelle L'Afrique héroïque, qui a une perspective raisonnée sur l'Afrique de 3 livres. Il y a les boxeurs, les lutteurs. Il y a un livre sur Broly Boisbré, l'inventeur d'écriture, qui est une sorte de héros de l'esprit. Et il y a un livre sur les chasseurs du Mali, qui est un livre sur la puissance politique de cette démocratie médiévale qui a survécu jusqu'à nous. Donc en fait, je veux faire un travail suivi et survivre à toutes les crises éditoriales et maintenir une exigence artistique jusqu'au bout. Donc c'est le prix Nadar, pour moi, c'est l'aboutissement de la question du livre, l'obsession du livre. D'accord. Merci à tous, merci d'être venus.